Une demande de bourse salariale présente un programme de recherche. Une demande de subvention d'opération présente un projet de recherche, puis c'est pas la même chose. Le programme est un peu plus large. Alors c'est sûr qu'au niveau, par exemple, junior 1, la distinction est assez subtile. Okay, on demande à la personne ce qu'il veut faire pendant les 5 ans qui viennent, ce qui est à peu près la même chose qu'on demande dans un fonds, dans une demande IRSC. Mais ça doit quand même présenter un programme plus qu'un projet précis. Ça veut dire qu'il y a peut-être moins de détails méthodologiques dans l'approche, mais plus d'informations sur qu'est-ce qui a amené à poser cette question-là et où est-ce qu'on s'en va ensuite et comment ça va construire une carrière de recherche et un programme de recherche. Une programmation, qu'est-ce que c'est? C'est une série de projets qui sont interreliés et non plus un seul projet. Cela dit, on peut apporter une nuance. Il peut arriver qu'une programmation repose sur une seule grande étude. Par exemple, ça peut être le cas si on propose de suivre une cohorte de patients ou d'individus dans une population. Mais à cette grande étude, on va souvent greffer des études qu'on dit imbriquées. Alors, une programmation, c'est un réseau d'études, une série qui sont cohérentes et reliées.